Une page importante va se tourner dans l'histoire de Haïti et dans l'histoire du partenariat entre les Nations Unies et Haïti. Prochainement, il n'y aura plus d'opération de maintien de la paix dans ce pays, mais ça ne veut pas dire que les Nations Unies cesseront leur partenariat avec Haïti. Au contraire, il s'agit de redéfinir quel sera le nouveau partenariat entre l'organisation et Haïti. Il y a toujours des défis dans ce pays, le défi du développement bien sûr, et donc le défi consistant à créer des conditions pour que ce développement s'accélère, le défi de l'état de droit, le défi des problèmes de sécurité qui demeurent, même si la situation s'est améliorée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Haïti avec des collègues de haut niveau représentant le domaine du développement, le domaine de la promotion des femmes, les questions de sécurité, les questions d'état de droit, pour examiner avec les Haïtiens, avec les autorités haïtiennes, quelles sont leurs priorités et comment nous pouvons soutenir, accompagner au mieux les priorités haïtiennes dans cette nouvelle page qui va s'ouvrir de notre partenariat.